conclusion, Messi, représenté par son délégué principal, Janot Bilomba, a effacé, vient de suspendre officiellement la grève, compte tenu à protocole d'accord qui était signé entre le gouvernement et les banques syndicales, c'était le 3 février. Nous avions essayé de restituer les messages et le personnel en a capté. Mais souci à personnel, les Aliba Mouna, applicabilité ou application et à promesse. Bango pour un premier temps, ils ont accepté quand même ces barèmes transitoires nous proposés par l'État. Mais, désir ou souhait à Bango Zali qu'il y ait respect, que l'État a honoré la promesse. C'est ce qui nous a permis de suspendre officiellement la grève pour les patous, le personnel administratif technique. Là, nous ne voulons plus parler des ouvriers, c'est-à-dire nous nous limitons à patou, non, PAT. Parce qu'il n'y a pas un ouvrier à l'ESI. Tous nous sommes des agents de l'ESI. Donc, en conclusion, nous suspendons la grève. La suspension des sorties des fonds. Oui, au ministre Nabisso y a ici. Après ça, il y a une instruction à la comité de gestion sortant. C'est ce qui bloque. Donc, même si tu as zongi les lots officiellement, le personnel aura toujours difficile à rouiller à l'établissement. Parce que le comité de gestion sortant, ils ont laissé la remise et reprise dans le comité de gestion entrant. Il y a une suspension, ça a sorti des fonds. Donc, pour dire qu'officiellement, à tout suspendre de grève, mais le personnel va devoir remarquer quand même qu'ils seront absents parce qu'ils vont nous. Donc, ce que nous demandons à ministre Nabisso, nous avons une négociation, c'est-à-dire, et que ton dîme est la moussala. Donc, il est obligé de lever ce mesure ou à la suspension. Les comités de gestion sortants sont censés fonctionner parce que ce comité de gestion est allé parce qu'il y a leurs pères qui sont là. Quand les pères sont pénalisés parce que le ministre a contraint et simulaté. Donc il faudrait que le ministre a fongolé, a autorisé le comité de gestion à fonctionner normalement pour que le personnel ait le moyen de voir. Parce que quand il y a un abus, surtout par rapport à la prime de transport, l'encadrement, au banana. Donc le ministre a eu comme un abus. Après sa autorisation, l'équipe sortante et continue à fonctionner. Donc merci.